Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse en chaîne sur la chaîne YouTube de CryptoSt. Je suis le prof chaîne et ensemble aujourd'hui nous allons une fois de plus scruter les informations que nous offre le réseau Bitcoin afin d'en retirer des signaux comportementaux vis-à-vis -vis de ses participants. Au fil des dernières semaines nous avions observé le comportement à court terme et à long terme de certains participants notamment au niveau de leur rentabilité pour essayer de répondre à la question est-ce que la transition entre la fin du marché baissier et le début du marché haussier était achevée Nous avions fini par trouver une réponse dans le sens où le marché nécessite encore un petit peu de temps, probablement quelques semaines à quelques mois, pour finalement enclencher une véritable transition vers le début d'un nouveau bull run. Et à partir de cela, nous allons aujourd'hui nous poser une question un petit peu différente qui concerne un autre groupe de participants. Comment se portent les mineurs de Bitcoin Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une cohorte très très particulière qui est celle des mineurs de Bitcoin. Pour une raison simple, c'est qu'elle possède une psychologie tout à fait unique dans l'écosystème et dans le marché du Bitcoin en règle générale, puisque ce sont à la fois des dépensiers compulsifs puisqu'ils doivent prendre profit d'une partie de leurs récompenses de bloc et des bitcoins qu'ils ont récupérés pour couvrir leurs frais d'opération leur frais d'électricité, le frais de leur machine, peut-être la main d'œuvre, ainsi de suite. Mais en même temps, ce sont aussi des grands hodlers, des grands investisseurs à long terme, qui ont tendance à ne pas dépenser lorsque leur rentabilité euh, est négative. En fait, jusqu'à un point où, lors des fins de marché baissier, et eh bien la tension psychologique et la tension financière est tellement forte qu'ils doivent, à un moment ou à un autre, entre guillemets, capituler ou du moins ils doivent liquider une partie de leur bitcoin pour avoir accès à du capital. Nous allons aujourd'hui nous poser cette question comment se portent les mineurs de bitcoin alors que le marché est en train de s'améliorer Pour ce faire, nous allons observer deux aspects. Nous allons commencer par étudier la rentabilité des mineurs on va observer notamment le coût de production estimé d'un bitcoin pour l'industrie minière, histoire de voir si par rapport aux revenus que génère le marché du beacon en ce moment, l'activité de minage est rentable. Et une fois que nous aurons déterminé si l'activité minière est actuellement rentable, nous observerons le comportement des mineurs, notamment via les flux qu'ils envoient ou qu'ils retirent depuis les exchanges. Donc ce qui va nous, qu nous donner une forme d'aperçu d'à quel point ils sont en train de dépenser ou d'épargner sur le réseau et quelle est un peu la psychologie aussi sous-jacente. C'est parti sans plus attendre, observons rapidement le cours du Bitcoin qui, depuis, la, ce, depuis les deux dernières semaines, a évolué au niveau des 30 000 dollars. Il essaie de franchir les 30 000 dollars, mais on voit bien qu'il bute encore sur ce pivot technique qui est un, une sorte de pivot entre le sentiment boule et le sentiment bear depuis l'année 2021, donc depuis janvier 2021. Eh bien, on se rend compte en fait que cette zone des 30 000$ a servi d'abord de support pendant le marché haussier, puis ensuite a été franchie à la baisse pendant le marché baissier, et depuis, elle sert de résistance. Encore aujourd'hui, nous n'avons pas franchi les 30 000$ de manière conséquente, dans le sens où oui, on est allé chercher les, 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 les 30 500$, voire les 31 000$, mais en réalité, on voit bien qu'on est vite redescendu, et actuellement, le prix du Bitcoin se situe juste, à en, juste en dessous des 29 000$. Donc, pour le moment... On n'a pas eu de cas sur franche des 30 000 qui puisse nous indiquer qu'on a réellement un biais haussier conséquent qui est en train de se manifester sur le moyen terme. On a eu une jolie séquence de hausse à, à court terme. Hein. On est parti des 16 000 dollars, on est arrivé vers les 30 000 dollars, on a quasiment fait un x2 juste sur le premier trimestre de l'année 2023. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est peut-être une zone de respiration, peut-être au moment où on va avoir une légère baisse du prix, peut-être pour aller notamment retester le niveau des 24-25 000 dollars, qui s'il avait été testé en tant que résistance et franchi à la hausse, n'a pas encore été testé en tant que support. Donc c'est quelque chose que potentiellement on pourrait voir dans les prochains jours. Aujourd'hui, on va pas faire de la prédiction de prix, on va pas essayer de deviner quel est le mouvement en soi des investisseurs par rapport au mouvement de prix. On va plus s'intéresser du coup à l'état d'une cohorte en particulier qui est celle des mineurs. C'était juste pour vous donner un petit peu de contexte vis-à-vis -vis de ce qui se passe. Actuellement, sur le cours du bitcoin, si on regarde depuis l'année 2021 en prenant en compte le cycle haussier et le cycle baissier, donc sur les quatre dernières années, on voit bien que ce niveau des 30 000 dollars est un pivot technique très intéressant et que pour l'instant, il sert encore de résistance. Intéressons-nous maintenant au vif du sujet. Je vais pas le développer en long, en large et en travers, mais l'indicateur que je vous présente juste ici est issu d'un article de recherche qui est qui a été paru chez Glassnode la semaine dernière, qui tente d'estimer le coût de production de Bitcoin pour l'industrie des mineurs. Je vais probablement le traduire en français d'ici la semaine prochaine, donc vous pourrez l'avoir en français d'ici la semaine prochaine. Je vous invite toujours à aller le lire en anglais. Il est assez rapide, il fait 6 minutes, et il est très très concis, très clair. C'est un analyste qui s'appelle Ucuria aussi, qui est un nouvel analyste chez Glassnode, qui a fait un excellent boulot de recherche. Donc sans m'attarder sur la construction de l'indicateur. Je vais vous présenter actuellement le modèle de régression de la difficulté, qui se base sur un des fondamentaux de Bitcoin, qui est le plus important pour l'industrie minière, la difficulté du minage, le nombre de hachages nécessaires à réaliser la forge d'un nouveau bloc en trouvant la fonction de hachage du non zéro. Alors le modèle actuel, il établit un rapport entre la valeur marchande des Bitcoins qui ont été minés et la concurrence au sein du secteur minier, tout ça pour essayer d'estimer le coût de production d'un Bitcoin. Pour faire simple, on va faire une régression log-log entre la capitalisation, donc la market cap du Bitcoin et la difficulté qui symbolise un peu le prix d'entrée tout inclus pour le mineur qui veut s'intéresser à l'industrie minage sachant que quoi qu'il arrive un mineur qui veut commencer à miner Bitcoin il va être influencé par les ajustements à la hausse ou à la baisse de la difficulté de minage qui va elle du coup dicter le ton de la compétition sur le marché. Elle va dicter l'énergie qui est nécessaire au minage du prochain bloc. Et donc c'est typiquement ce genre de métrique qui va influencer, qui va avoir une influence sur le hash rate, mais aussi du coup sur bah, la capacité des mineurs ou non à avoir une activité rentable. Si typiquement la... Market Cap du Bitcoin est très bas, et donc on a un prix spot du BTC qui est très bas, et une difficulté qui est très haute, donc on a un prix d'entrée qui est très très élevé, et on n'a pas énormément de rémunération, donc on pourra penser, théoriquement du moins, que le coût d'opportunité pour un mineur est bas, et que du coup, bah, en fait, son activité de minage ne sera pas rentable. Donc le prix dérivé de ce modèle, il reflète un prix de production moyen pour l'ensemble des mineurs, hein, c'est vraiment un prix de production... Typiquement moyen, donc il y a des mineurs qui vont être plus rentables que ça, il y a des mineurs qui vont encore être un peu moins rentables. Là, l'idée, c'est d'avoir un aperçu de l'ensemble de la situation sur le marché du minage pour Bitcoin, en se basant sur les fondamentaux de la difficulté de minage. Et actuellement, ce coût de base, ce coût de production, pardon, tout inclus pour la production d'un Bitcoin, il est estimé aux alentours des 22 300, 22 400 dollars. Donc, alors que le Bitcoin actuellement, il est aux alentours des 29 000. Il a donc un prix spot qui est supérieur au coût de production tout inclus défini par le modèle de régression de la difficulté. On peut estimer à première vue que l'activité de, de minage, pardon, elle semble rentable. Ça, c'est notre premier constat. L'activité de minage par rapport au coût de production tout inclus du modèle de régression de la difficulté semble rentable parce que le coût de production est plus faible que le prix d'un bitcoin. Donc c'est assez intéressant à observer. Déjà on peut se dire que malgré le fait que manifestement les mineurs ont eu énormément de difficultés à soutenir leur activité entre novembre et décembre 2022, et eh bien là on peut se rendre compte qu'il y a apparemment une nette amélioration de la situation de ces mineurs et donc une potentielle reprise d'intérêt. Et une potentielle reprise d'ailleurs qui se traduit par une hausse du hash rate, qui ne... que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais je peux vous assurer que la hausse du hashrate rate elle, a été extrêmement conséquente depuis l'année 2023. Et euh, actuellement, on est à des valeurs qui sont assez hautes. On est quasiment à 350 euh, hexaH par seconde. Donc euh, c'est un ATH en fait. On n'a jamais eu une, un hash rate qui était aussi élevé que cela. Maintenant qu'on a posé la base du modèle de régression de la difficulté, et encore une fois, je vous invite à aller lire l'article qui le détaille hein, parce qu'il est vraiment très bien fait et très clair, on va observer un deuxième graphique. Alors ici, on va observer le coût de production totale sur une journée de la production de Bitcoin par les mineurs, et ensuite les revenus quotidiens des mineurs. En gros, on va essayer de faire une comparaison entre le coût de production total et le revenu total, pour voir bah, est-ce qu'au final, on a une balance bénéfice qui est positive ou négative. Donc le coût de production total, ce qu'on voit en bleu ici, c'est une estimation de la valeur dépensée par les mineurs pour produire les bitcoins minés chaque jour. En réalité, c'est la reprise de la valeur qui était juste en haut dans le modèle de régression, qui est ensuite divisée et ajustée par l'offre. De bitcoin qui a été émise en circulation. Et ça nous donne un résultat actuellement qui est aux alentours des 22 000 dollars par jour. Donc on peut estimer que le mineur moyen dépense environ 22 000 dollars par jour pour miner un bitcoin. Une fois qu'on a ce constat, on peut s'intéresser du coup à la courbe orange qui, elle, mesure le revenu total des mineurs. Donc, c'est une mesure de la valeur spot de chaque Bitcoin au moment de leur extraction. Donc, à partir de ce moment-là, on est capable de savoir combien a coûté un Bitcoin et combien ensuite euh, pourrait être vendu un Bitcoin. Ou combien pourrait être le revenu, et non pas seulement du Bitcoin, mais aussi des frais qui sont associés. Parce qu'en réalité, le revenu total des mineurs, il prend en, si, en compte les frais de transaction et non pas seulement le prix spot d'un Bitcoin. Alors ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, et eh bien typiquement, quand la courbe orange passe au-dessus de la courbe bleue, on a un contexte de rentabilité positif pour les mineurs où du coup, ils ont une activité qui est rentable et ils peuvent commencer potentiellement à envisager la prise de profit. Par contre, une fois qu'on est vers des bas de marché, eh bien, on se rend bien compte que le coût de production est supérieur au revenu et qu'à ce moment-là, bah, l'activité n'est pas rentable. Parce que si on dépense, imaginons, euh, 10 000 dollars par pour miner un bitcoin qui en vaut 5000, et eh bien clairement, sur, du moins sur le court terme, et eh bien notre bitcoin n'est pas rentable en, ré en réalité. On a une balance bénéficiaire de moins, moins 5000, c'est quand même conséquent. Par contre, sur du long terme, évidemment, comme les mineurs sont des investisseurs à très long terme, même s'ils dépensent certains de leurs bitcoins, et eh bien ça les intéresse aussi de garder des bitcoins sur le long terme pour pouvoir prendre des profits, notamment pendant les prochaines vagues de hausse. Et si on regarde un peu, si on zoome un peu sur ce qui s'est passé avec l'activité récente, on voit bien que, bon, même si les graphiques sont un peu. Ils sont ici. On voit bien que en novembre et décembre, le coût de production d'un bitcoin était d'environ 18 000 dollars, alors que le revenu total des mineurs était aux alentours des 15 000, 13 000, 15 000 dollars. Donc, on avait bien un contexte de rentabilité négative pour l'industrie mineure, alors que nous étions proches du bottom de marché et que nous étions dans une phase de capitulation. C'est typique on peut voir que les revenus des mineurs sont bel et bien supérieurs à leurs dépenses. Donc ça nous indique que le groupe se situe actuellement dans un contexte de rentabilité positive. Et on voit bien d'ailleurs que l'écart qui est en train de se créer entre le coût de production et entre le revenu des mineurs, il commence à devenir très intéressant dans le sens où le prix spot du Bitcoin, il a une variation à la hausse qui commence à être plus élevée que l'ajustement de la difficulté. Donc ça veut dire que le prix d'entrée, il va s'ajuster à la hausse plus lentement que le prix du Bitcoin pourrait monter. Donc on va arriver dans un contexte comme celui qu'on aurait pu connaître en janvier 2021, où les revenus des mineurs vont commencer à augmenter et à s'écarter de manière drastique du coût de production, ce qui va potentiellement, in fine, amener à une prise de profit massive et coordonnée des mineurs d'ici plusieurs mois peut-être même durant l'année 2024, il ne faut pas oublier que le halving qui est en plus extrêmement important pour les mineurs parce qu'il diminue par 2 leurs récompenses de bloc, n'est toujours pas arrivé. Le halving est prévu pour mars 2024, donc dans un peu moins d'un an maintenant, et donc c'est une dynamique qui impacte énormément le marché du Bitcoin et notamment la situation des mineurs de Bitcoin, et donc il faudra attendre de voir ce que nous apporte le halving pour avoir une conclusion plus saine. Aujourd'hui l'objet c'est pas de se projeter, c'est vraiment d'observer une fois qu'on sait que le marché baissier est terminé et qu'on est vers une transition vers un marché haussier, quelle est la condition des mineurs Et actuellement, on voit que cette condition des mineurs, elle s'est nettement améliorée et que du coup, ils sont dans un contexte de rentabilité positive extraire un Bitcoin leur coûte moins cher que de le vendre. Donc pour l'instant ils font un profit net et c'est extrêmement sain de savoir que du coup notre industrie minière et du coup le capital qui est alloué à la sécurisation du Bitcoin par la diminution de la probabilité de réussite d'une attaque civile à 51% et eh bien elle diminue. Donc ça c'est quelque chose de très très sain. Une fois qu'on sait que les mineurs aujourd'hui ils ont un peu sorti la tête de l'eau, on peut s'intéresser à ce qui se passe maintenant on-chain par rapport au portefeuille des mineurs. On peut s'intéresser à leur comportement. Notamment grâce au volume de transfert des mineurs vers les exchanges. Alors, cette métrique, elle mesure le volume de BTC qui quitte les portefeuilles des mineurs pour être déposé sur les exchanges. Je n'ai pas présenté ici la variante qui prend en compte les exchanges OTC, donc les exchanges over the counter, de gré à gré, euh, parce que je l'ai fait pour euh, Cryptos Research, mais ici, du coup, pour la version publique, je ne la présente pas. Il faut pas oublier que les mineurs, ils n'utilisent pas seulement les exchanges, ils utilisent aussi des. des des plateformes de gré à gré pour ne pas influencer le cours du marché de Bitcoin quand ils ont de grandes ventes à prendre. Mais aujourd'hui, on va se contenter de cet indicateur parce que bah, il, est, il a suffisamment d'informations en lui pour nous donner un contexte et une idée de ce qui se passe au niveau des prises de décision des mineurs. Alors en général du coup les flux sortants des réserves des mineurs ils offrent un aperçu du comportement de prise de profit ou de prise de perte. Typiquement, on peut voir que pendant des moments de capitulation comme en novembre 2022, on a énormément de Bitcoins qui sont sortis des portefeuilles des mineurs, quasiment 500 Bitcoins par jour. Donc ça c'était typiquement de la prise de perte. Par contre, on peut voir que en janvier 2021 et ensuite, durant la continuation de la hausse jusqu'en février, eh bien on avait euh, des valeurs allant de 600 à quasiment 900 bitcoins qui sortaient des portefeuilles des mineurs chaque jour. Et ça, c'est typiquement un comportement de prise de profit. Il ne faut pas seulement prendre en compte... Le, la variation du volume de transfert des mineurs seul, il faut la prendre en contexte aussi par rapport à l'évolution du marché dans son ensemble et observer et se dire ok on est proche d'un top de marché probablement que les mineurs ils sont en train de prendre des profits ok on est proche d'un bas de marché probablement que les mineurs sont en train soit de prendre des pertes soit de liquider certains bitcoins qu'ils avaient encore en réserve pour accéder à du capital frais histoire de couvrir leurs frais d'opération leurs frais de capital leur capex leur opex donc encore une fois, on voit du coup lors des capitulations que les mineurs, ils ont tendance à envoyer des gros volumes vers les exchanges. Mais... Ce qui nous intéresse ici surtout, c'est que depuis 2021, en réalité, hein, depuis la prise de profit qu'on avait eu ici, eh ben, les flux sortants vers les exchanges de la part des mineurs, ils ont tendance à chuter. On voit bien ici qu'on a une tendance baissière très prononcée, qui a tendance du coup à écraser du coup les flux. Et on a de moins en moins en fait, de bitcoins qui sortent des, des portefeuilles des mineurs pour aller vers les exchanges. Donc ça nous indique qu'il y a une limitation de la dépense de la part de ces entités et potentiellement une favorisation de l'utilisation des exchanges OTC. Donc on voit bien aujourd'hui. Que les mineurs ne sont pas dans, une, dans un comportement, si je pourrais dire, de prise de perte ou de prise de profit. Ils sont juste dans un comportement d'attente avec une position relativement neutre. Ils sortent très très peu de bitcoin, même si aujourd'hui ils sont déjà rentables et qu'ils pourraient désormais prendre des profits. Je pense que, à mes yeux, ou à leurs yeux plutôt, il est trop tôt pour commencer à générer des profits euh, importants parce qu'on n'est même pas au double de leur prix de production. Donc, euh, le jour où le bitcoin sera au double ou au quadruple, du prix de production des mineurs là je pense qu'il commencera à avoir de la prise de profit mais on n'est pas encore du tout à ce stade là et ça se voit hein, d'ailleurs euh, la tendance haussière qu'on a connue du coup depuis euh, depuis, de, depuis le début de l'année là elle est tranquillement pas vite en train de ralentir au niveau des 30 000 et donc on voit qu'on est sur une phase où il faut temporiser une phase un peu plus neutre peut-être qu'on va les rechercher un petit peu plus bas et donc c'est typiquement pas un moment propice pour que les mineurs commencent à prendre des profits maintenant du coup qu'on a observé les flux des mineurs qui sortaient des exchanges, on va observer du coup les flux nets. On va faire la somme des volumes de Bitcoin qui vont soit des mineurs vers les exchanges, soit des exchanges vers les mineurs. Donc les flux sortants et les flux entrants. Ce qu'on peut observer déjà c'est qu'il y a une similitude assez intéressante entre les capitulations de novembre 2018 et de novembre 2022 en fait entre ces deux capitulations on a enregistré des dépôts nets sur les exchanges qui ont été compris entre 1400 et 1500 bitcoins par jour du coup ça nous remet encore ce que je disais juste avant donc ce contexte où on voit bien qu'il y a de la prise de perte nette ou du moins on sent qu'il y a un désir même si c'est pas forcément la prise de perte en soi c'est un désir de vente clair de la part des mineurs qui alors que le prix est extrêmement bas et s'approche d'un stress financier extrême pour la cour des mineurs dans l'ensemble et pour l'industrie minière, eh bien ils vont avoir tendance à déposer des bitcoins des Bitcoin pour les exchanges. Ça peut être entre autres les vendre c'est une des choses les plus probables qui puisse arriver mais ce n'est pas tout ils peuvent aussi les utiliser pour se hedger par rapport à une potentielle baisse il y a plusieurs stratégies Il faut savoir que les mineurs ont des comportements de hedge relativement complexes et que c'est pas juste de l'achat et de la vente comme ce qu'on pourrait penser c'est une cohorte qui a énormément d'informations et qui ne dit pas tout d'ailleurs sur ce qu'elle fait donc c'est assez intéressant du coup de pouvoir vous présenter ces informations là aujourd'hui et d'en tirer le maximum d'alpha D'ailleurs, on voit, petite parenthèse, ici très bien que en fin, en début janvier 2021, on avait eu encore une fois une énorme énorme, vraiment, on a 3000 bitcoins par jour hein, qui ont quitté, qui ont été déposés sur les exchanges. Donc on a une énorme sortie des portefeuilles des mineurs pour aller vers les exchanges et ça, c'est typiquement ici de la prise de profit. Encore une fois, tout dépend du contexte. Une autre observation qui peut être intéressante, c'est la dynamique des dépôts. On se rend compte qu'en fait, la dynamique de ces dépôts elle tend à croître lors des phases finales des marchés baissiers. Ici, on voit bien que les dépôts sont de plus en plus élevés avec des pics de plus en plus forts. Et ensuite, elles résorbent une fois que le passage du cross-cyclique est fait. Et hop là, on obtient une forme de petit triangle comme ceci, du coup, force des dépôts de plus en plus grands. Et ensuite, une fois que le bottom est passé et qu'on sent qu'on est tranquillement pas vite en train d'avoir une reprise de marché haussier, ou du moins une stabilisation de la situation où on n'est plus en train d'aller vers de la baisse, le momentum baissier est plus faible, eh bien, on a une résorption à ce moment-ci des flux des mineurs des dépôts vers les exchanges. Idéalement, c'est ce qu'on aimerait voir ici et c'est ce qu'on voit pour le moment pas mal. Hein. On voit bien qu'il y a une hausse des flux nets pas enfin une baisse d'une certaine façon plutôt des flux nets du sens que les mineurs ont beaucoup déposé et ont été déposés de manière croissante des bitcoins sur les exchanges entre je dirais mars 2022 et décembre 2022 et depuis décembre 2022 jusqu'à aujourd'hui on voit bien qu'il y a une baisse continue palier par palier avec des plus bas de plus en plus hauts des flux nets et que donc les bitcoins envoient de moins en moins de btc vers les exchanges actuellement ce que ce graphique nous informe, l'information qu'on peut trouver dans ce graphique plutôt, eh bien, c'est que les funettes sur 7 jours, ils ont une valeur qui est très proche de 0. Donc ils sont très très bas actuellement. Je vais zoomer un petit peu histoire de vous donner une image un peu plus intéressante. Voilà, on a quand même des funettes qui sont très très proches de la valeur de 0. Ce qui nous indique que les mineurs adoptent une position relativement neutre. Ils ne cherchent pas à déposer sur les exchanges, ils ne cherchent pas à retirer des exchanges. Là, ils sont juste sortis la tête de l'eau. Ils sont contents. Ils ont leur ratio de rentabilité qui est positif, le coût de production d'un bitcoin est plus bas que le revenu qu'ils peuvent en tirer en le revendant. Donc pour l'instant, ils ont déjà une situation qui est bien 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 plus agréable à vivre, bien bien moins stressante que ce qu'on a pu connaître en décembre-novembre, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout de suite c'est full fire et qu'ils vont commencer à dépenser tous leurs bitcoins. Je pense qu'ils ont un point de vue beaucoup plus court terme, enfin beaucoup plus long terme pardon que ça, et du coup, ils ajustent leur stratégie en fonction de ce que le marché a à offrir. Lorsque j'avais écrit l'article dont je suis en train de vous faire le résumé audiovisuel, les flux nets des exchanges étaient littéralement au point neutre. Donc on était en alentours de voilà, 21 ou moins 21. On était vraiment sur des valeurs qui étaient très proches de zéro. Actuellement, voilà, depuis, euh, depuis quelques jours, on est capable de voir qu'en réalité, les flux nets des exchanges, ils sont un peu plus à la baisse. Du coup, en fait, on a peut-être à peu près 100 bitcoins qui sont déposés sur les exchanges par jour de la part des mineurs. Donc on voit qu'actuellement, il y a une petite phase de dépôt, mais si on remet les choses dans leur contexte en observant le transfert de volume qui enfin le volume de transfert pardon des mineurs vers les exchanges, on se rend compte que oui, il y a une petite hausse et qu'il y a un petit peu de Bitcoin qui sont déposés sur les exchanges de la part des mineurs, mais ce que c'est quelque chose qui est encore très peu conséquent. On est encore sur une valeur qui est totalement ancrée dans la continuité de ce qu'on a pu voir avec la baisse des dépôts au fur et à mesure du cycle baissier de 2021 voire à 2023. Et donc actuellement, la, 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 la valeur qu'on voit aujourd'hui, elle n'est pas du tout drastique, elle n'est pas du tout dramatique, même si, ok, d'accord, on est... Pour le court terme en train de s'orienter sur une petite phase de dépôt, ça veut pas dire que dans les prochaines semaines, si le cours du bitcoin va chercher les 24 000, eh bien, les mineurs ils vont paniquer et ils vont aller déposer tous leurs e... le... leur bitcoins sur les exchanges. C'est aussi possible. Ce que je veux dire, c'est que actuellement, les données qu'on a nous montrent un tout tout petit début de tendance, mais qui pourrait ne pas en être un. Et du coup, je préfère ne pas m'affoler et ne pas vous commencer à vous donner des signaux comme quoi les mineurs sont en train de quitter une position plutôt neutre. Actuellement, ils y sont toujours et l'écart par rapport à une potentielle moyenne est toujours relativement faible. Voilà qui fait le global de notre analyse on-chain de la journée. Je vous invite à lire le thread Twitter qui est associé, bien sûr l'article qui est disponible sur CryptoSt. Une fois de plus, je vous invite aussi à lire cet article qui estime le coût de production d'un Bitcoin. Je vais vous le traduire en français d'ici la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir l'information en français. En outre, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptos et activer la petite cloche pour ne jamais louper les prochaines analyses on-chain qui pourraient arriver. Et bien sûr, si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez être accompagné, si vous voulez vous améliorer simplement et mieux comprendre l'univers des crypto-monnaies et les dynamiques sous-jacentes des différents participants de l'univers des crypto-monnaies, que ce soit pour le marché du Bitcoin, que ce soit pour le marché des NFT, que ce soit pour même utiliser de la DeFi, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur Cryptos Research où vous pourrez avoir deux formules, soit une newsletter bimensuelle, soit accès à notre canal Discord qui est typiquement une bibliothèque d'Alexandrie des crypto-monnaies. Hein. On a un contenu qui est tellement massif et qui est tellement de qualité que je pense pas qu'on puisse avoir une concurrence sur ce point de vue-là en France aujourd'hui. Donc je vous invite vivement à nous rejoindre. Vous pourrez d'ailleurs, j'en profite pour le placer ici, utiliser le petit code promo prof20 pour avoir moins sur votre premier mois d'abonnement. Donc n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de vous compter parmi nous et de vous accueillir et puis ensuite de vous accompagner au cours de votre parcours d'initiation aux crypto-monnaies. Un petit résumé avec quelques points clés pour finir cette analyse en chaîne. Donc la situation des mineurs s'est rapidement rétablie en début 2023. aujourd'hui, on favorise plus l'épargne que la dépense même s'ils ont sorti la tête de l'eau. L'activité de minage est toujours rentable alors qu'on était sur une période de capitulation il y a encore quelques mois donc c'est quelque chose qui est très positif et on a une amélioration qui s'est fait quand même assez rapidement les flux des mineurs par contre ils nous signalent qu'on a un comportement qui est relativement neutre avec des flux sortants des portefeuilles des mineurs qui sont encore décroissants on a comme on l'a vu une toute petite phase de dépôt actuellement là mais c'est quelque chose d'extrêmement minime et qui est tout à fait négligeable pour le moment donc les mineurs commencent à adopter un comportement de régime baissier le comportement de excuse-moi un comportement de régime haussier je me corrige un comportement des régimes haussiers qui est bien celui des mineurs, qui n'est pas celui des investisseurs à court terme ou à long terme. Le comportement des investisseurs à court terme ça aurait été de spéculer à la hausse ou à la baisse sur le court terme. Le comportement des investisseurs à long terme serait été d'attendre que les profits soient suffisamment élevés pour qu'ils prennent des profits. Eh bien, les mineurs eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réduire leurs dépenses tant que le prix du bitcoin n'est pas suffisamment intéressant pour les inciter à la vente, c'est un comportement qui se rapproche pas mal des investisseurs à long terme, même si bien sûr ils doivent dépenser des bitcoins de manière régulière pour couvrir leurs frais de capex et de PEX, leurs frais d'opération et leurs frais de capital. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux pour avoir plus d'informations, à nous rejoindre sur Cryptos Research, je vous ai mis les liens de l'article de, de Cryptos, de Crypto Research, mais aussi de l'article de Glassnode ici, vous les aurez aussi en lien en description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été informative, on se retrouve dans deux semaines pour une prochaine vidéo. C'était le Prochain pour Cryptos, passez une bonne journée, ciao ciao